Move. Je sais pas si t'as vu, la Bretagne et la Normandie veulent leur emoji. Et c'est très sérieux. Des Bretons ont lancé une pétition pour avoir leur propre drapeau. Et une fromagerie normande milite sur internet pour avoir l'emoji camembert. Pétard, mais c'est vrai qu'il a manque des émoticônes. Nous par exemple, à la Sauve, c'est à Gironde, c'est sur la route de Créon, c'est un petit peu à Valignan. On a remarqué, il y a l'emoji croissant, mais il n'y a pas la chocolatine. C'est normal, la chocolatine ça n'existe pas. On dit pain au chocolat. Merci. Je sais pas si t'as vu le bar brésilien qui se moque de Neymar. À Rio, un pub qui veut attirer des clients propose d'offrir un verre à chaque fois que Neymar tombe ou fait un plongeon pour simuler une faute. Et ça marche en plus. Depuis l'annonce sur les réseaux sociaux, le bar en question est inondé de réservations. C'est marrant, ma femme fait pareil. Elle m'offre un cadeau à chaque fois qu'elle simule. Je possède 286 iPads. Rien que pour cette semaine. Je sais pas si t'as vu, Childish Gambino est accusé de plagiat. Depuis quelques jours sur internet, des gens l'accusent d'avoir pompé son morceau This is America. Ça serait la même instru qu'American Pharoah. Un morceau qui date de 2016 du rappeur Jace Harley et qui parle aussi de la condition des Noirs. Le manager de Gambino, lui, il dit que c'est pas possible puisque This is America date de 2015 et qu'il peut le prouver. Ouais, pour l'instru, je veux bien, mais bon... Accuser un rappeur de parler de la condition des Noirs aux États-Unis, c'est comme si Macron accusait Sarkozy d'être de droite, quoi. Tu es connecté sur Move.